Bonjour. Bonjour. Ouvrons notre livre à la page. À la page 131, pagina 131. Émission 28, 28e émission. E la lezione 28. Questa 28esima lezione, per l'appunto, conclude il ciclo dedicato ai problemi della città e alla nostalgia della campagna. E questa nostalgia si traduce poi nel desiderio di comprare una piccola fattoria, une petite ferme, per trascorrervi gli anni della vecchiaia, o semplicemente per andarvi a passare le vacanze. Ascoltiamo questo dialogo tra un pensionato, le retraité, un cittadino, le citadin, e un giovane contadino, le jeune paysan. Une petite ferme pour ma retraite. C'est le village où je suis né. J'y passerai mes dernières années. Moi, j'y passe des vacances. Chaque année. J'aime la nature. Nous sommes loin de la ville. C'est l'idéal pour y habiter. D'accord. J'ai acheté une petite ferme en pierre que j'aménage avec ma femme. Nous travaillons tous les deux. C'est merveilleux. Il y a quand même quelques inconvénients. Pas d'eau courante, pas de chauffage, mais nous avons l'électricité. La campagne n'est plus comme avant. Les citadins achètent les vieilles maisons, avec tous les inconvénients, alors que les paysans modernisent les fermes. Le travail est organisé en coopérative. Il est moins pénible qu'avant. Nous avons tous les avantages du progrès comme à la ville. C'est ça, comme à la ville. Avec les feux, les contraventions, les odeurs de gaz, la télévision, les transistors, les tourne-disques. Mais nous avons toujours du bon vin. Venez prendre un verre au café du coin. Il vecchio pensionato ha comprato al suo paese una piccola fattoria e si diverte a lavorarci insieme alla moglie per risistemarla. C'est le village où je suis né. J'y passerai mes dernières années. J'ai acheté une petite ferme en pierre que j'aménage avec ma femme. Nous travaillons tous les deux. C'est merveilleux. Anche il cittadino è innamorato della natura, però ne vede gli inconvenienti. J'aime la nature. Il y a quand même quelques inconvénients. Pas d'eau courante, pas de chauffage, mais nous avons l'électricité. Niente acqua corrente, niente riscaldamento, però c'è la luce elettrica. Bisogna dire tuttavia che quando i giovani rimangono in campagna, le cose cambiano, si organizzano delle cooperative e così si lavora di meno. Le travail est organisé en coopérative. Il est moins pénible qu'avant. Nous avons tous les avantages du progrès, comme à la ville. Si rischia quasi di ricreare l'atmosfera della città con tutti questi vantaggi del progresso. C'est ça, comme à la ville. Avec les feux, les contraventions, les odeurs de gaz, la télévision, les transistors, les tourne-disques. Per fortuna, in campagna c'è sempre il vino buono. Mais nous avons toujours du bon vin. Benissimo, adesso possiamo riascoltare il dialogo. C'est le village où je suis né. J'y passerai mes dernières années. Moi, j'y passe des vacances. Chaque année. J'aime la nature. Nous sommes loin de la ville. C'est l'idéal pour y habiter. D'accord. J'ai acheté une petite ferme en pierre que j'aménage avec ma femme. Nous travaillons tous les deux. C'est merveilleux. Il y a quand même quelques inconvénients. Pas d'eau courante, pas de chauffage, mais nous avons l'électricité. La campagne n'est plus comme avant. Les citadins achètent les vieilles maisons, avec tous les inconvénients, alors que les paysans modernisent les fermes. Le travail est organisé en coopérative. Il est moins pénible qu'avant. Nous avons tous les avantages du progrès comme à la ville. C'est ça, comme à la ville.
avec les feux, les contraventions, les odeurs de gaz, la télévision, les transistors, les tourne-disques. Mais nous avons toujours du bon vin. Venez prendre un verre au café du coin. Ascoltiamo ora una descrizione della vita in campagna con i suoi svantaggi, ma anche con i suoi vantaggi. Autrement dit, c'est le village où il est né. Le retraité y passe ses dernières années. Il lit son journal le matin. C'est un village merveilleux. Le citadin y passe des vacances. C'est l'idéal pour y habiter, parce qu'il est loin de la ville. Le retraité y restera toute sa vie parce qu'il a acheté une ferme qu'il aménage avec sa femme. Y a-t-il des inconvénients? Oui, il y a des inconvénients. Mais la campagne n'est plus comme avant. Le travail est moins pénible qu'avant. Le travail est plus agréable qu'avant. La vie est aussi agréable qu'avant, avec tous les avantages du progrès et du bon vin. Oggi abbiamo per voi una breve poesia di Jules Supervielle. Qualche ramo dice così bene quello che io non so dire, che dovrei per sempre smettere di scrivere se mi restasse appena un po' di buonsenso. E tutto quello che vorrei esprimere per ciò che ha in sé di perduto e di oscuro non mi sembra poi così degno di parole quando metto a nudo una tua radice col suo mutismo e le sue lacrime di terra. Un arbre. Avec un peu de feuillage de tronc, tu dis si bien ce que je ne sais dire, qu'à tout jamais je cesserais d'écrire s'il me restait en soi peu de raison. Et tout ce que je voudrais ne pas taire, pour ce qu'il a de perdu et d'obscur, me semble peu digne que je l'éclaire lorsque je mets une racine à nu dans son mutisme et ses larmes de terre. Faremo adesso insieme soltanto alcuni degli esercizi a pagina 133, à la page 133. Entraînement. Exercice numéro 1, répétez. Où est-il né? Il est né en France. Où a-t-il passé ses dernières années? Il a passé ses dernières années dans une ferme. Y a-t-il des inconvénients à la campagne? Oui, il y a des inconvénients. Le citadin reste-t-il toujours dans le village? Non, il ne reste pas toujours dans le village. Numéro 2. Imitez le modèle. Il a toujours du bon vin. A-t-il toujours du bon vin? À vous. Il va chercher un verre. Va-t-il chercher un verre? Il ira chercher un tourne-disque. Ira-t-il chercher un tourne-disque? Il passera le prendre à la ferme. Passera-t-il le prendre à la ferme? Il sera ici à 5 heures. Sera-t-il ici à 5 heures? Numéro 3. Imitez le modèle. Il passe des vacances à l'étranger. Passe-t-il des vacances à l'étranger? À vous. Il organise des coopératives. Organise-t-il des coopératives? Il travaille avec ses amis. Travaille-t-il avec ses amis? Il modernise sa ferme.
modernise-t-il sa ferme? Il aménage son appartement. Aménage-t-il son appartement? Il achète cette vieille maison. Achète-t-il cette vieille maison? Numéro 4. Mettez qui ou que. J'ai une jolie maison. J'aménage ma maison. J'ai une jolie maison que j'aménage. Je vous parle de la coopérative. La coopérative offre beaucoup d'avantages. Je vous parle de la coopérative qui offre beaucoup d'avantages. Appelez les enfants, ils sont encore couchés. Appelez les enfants qui sont encore couchés. Il y a une dame à la maison, elle surveille les enfants. Il y a une dame à la maison qui surveille les enfants. Donne-moi la traite. Je dois payer la traite à la poste. Donne-moi la traite que je dois payer à la poste. Numéro 7. Imitez le modèle. Je suis né dans un village. J'y suis né. À vous. Tu passes des vacances à Paris. Tu y passes des vacances. Nous sommes sur la grande route. Nous y sommes. Vous habitez à Rome. Vous y habitez. Les citadins achètent des fermes à la campagne. Les citadins y achètent des fermes. Vous pensez à votre vieillesse. Vous y pensez. Il pense à sa retraite. Il y pense. Numéro 8. Imitez le modèle. Le retraité peut habiter à la campagne. Le retraité peut y habiter. À vous. L'employé doit aller au bureau. L'employé doit y aller. Le chef de la comptabilité veut aller à la poste. Le chef de la comptabilité veut y aller. L'ouvrier ne veut pas manger à la cantine. L'ouvrier ne veut pas y manger. Numéro 9. Répondez aux questions. Y a-t-il de l'eau courante? Non, il n'y a pas d'eau courante. Y a-t-il du chauffage? Non, il n'y a pas de chauffage. Marisa oggi ci ha preparato delle variazioni sul tema dell'influenza, degli starnuti e della tosse. Ascoltiamo. Construisons un nouveau texte. Tu as pris ton écharpe? Oh, pas l'écharpe. Je n'ai pas la grippe. Tu as éternué? Tu viens de tousser et tu n'as pas la grippe? Heureusement que j'ai tous les médicaments. Je suis allée à la pharmacie avec l'ordonnance. Je t'ai acheté aussi des pastilles de menthe. Oh maman, pas les médicaments, pas les pastilles de menthe. Je vais mieux, j'aime mieux sortir. Mange au moins quelque chose. Tu ne manges rien depuis quelques jours. Ne parlons pas de manger. Tu vois, tu es malade. Tu dois consulter un médecin. Oh, il est déjà parti. Tant pis. Je téléphone au docteur Legrand. Allora, abbiamo terminato i nostri 15 abituali minuti di francese. Siete stanchi? Speriamo di no. Au revoir, alors. A bientôt. Au revoir. Abbiamo trasmesso la 28ª lezione del corso di lingua francese. Corso di lingua francese a cura di Enrico Arcaini. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous en sommes à la page 136, c'est-à-dire... À pagina 136.
c'est la 29e émission, autrement dit, émission 29. È la 29esima lezione. Avete capito dai disegni qual è l'argomento di questa lezione? Sì, che cos'è? Un ristorante? Sì, un libre service, un self-service. Au libre service, on se sert tout seul. Cioè al self-service ci si serve da soli. O almeno così dovrebbe essere. Vediamo però che cosa succede a un provinciale che per la prima volta si trova in questa situazione. Ascoltiamo il dialogo. On se sert tout seul? Garçon! Garçon! Il n'y a personne pour servir. Au libre service, on se sert tout seul. On se sert tout seul? Et pour payer? Il faut aller à la caisse. Alors, il vaut mieux aller à la caisse tout de suite. Non! Il faut se servir avant. Ah oui? Je vais perdre ma place à cette table. Vous en trouverez une autre. J'en trouverai une autre. Mais où? Elles sont toutes prises. J'en garderai une pour vous, si vous y tenez. Ah, voici. Une assiette de crudité, avec un œuf, deux œufs, du jambon, que c'est bon. Allez chercher un plateau. Prenez les cuillères, les fourchettes, les couteaux, les verres, là. La serviette aussi. Faites la queue, s'il vous plaît. Ne passez pas devant les gens. Voici des légumes. Non, pas de légumes. Du céleri, j'en prends. Voici du pain, j'en prends. Voici du rôti, j'en prends. L'assiette est là. J'arrive à la prendre. Non, je n'y arrive pas. Ah, j'ai renversé mon plateau. Dites, monsieur, il faut quand même passer à la caisse. Quel maladroit! Plus de repas, plus de place, plus de jeune fille. Il povero provinciale sbaglia subito e chiama il cameriere, quando invece naturalmente non c'è nessuno per servire. Garçon! Garçon! Il n'y a personne pour servir. Au libre service, on se sert tout seul. E per pagare bisogna passare alla cassa, ma non subito però, solo dopo essersi serviti. E pour payer? Il faut aller à la caisse. Alors, il vaut mieux aller à la caisse tout de suite? Non! Il faut se servir avant. Il nostro amico ha paura di perdere il posto che ha trovato accanto alla ragazza. Allora lei si impietosisce e gli promette di conservarglielo. J'en garderai une pour vous, si vous y tenez. I guai cominciano quando si tratta di mettersi in fila con gli altri davanti al bancone su cui sono esposti i piatti. Dimentica il vassoio, i cucchiai, la forchetta, i coltelli, i bicchieri, il tovagliolo. Allez chercher un plateau. Prenez les cuillères, les fourchettes, les couteaux, les verres, là, la serviette aussi. E poi non vuole mettersi in fila con gli altri, con gli studenti. Faites la queue, s'il vous plaît. Ne passez pas devant les gens. Finalmente ha riempito il suo vassoio. Verdure crude, un uovo, no, due uova, prosciutto, niente verdura cotta, invece sedano, pane, arrosto. Ah, voici. Une assiette de crudité avec un œuf, deux œufs, du jambon. Que c'est bon. Voici des légumes. Non, pas de légumes. Du céleri. J'en prends. Voici du pain. J'en prends. Voici du rôti. J'en prends. E poi il disastro. Per raggiungere un piatto rovescia tutto. L'assiette est là. J'arrive à la prendre. Non, je n'y arrive pas.
renverser mon plateau. Et non solo, gli tocca anche pagare tutto. Dites, monsieur, il faut quand même passer à la caisse. Che guaio ha combinato. Il pranzo, il posto, la ragazza, non è rimasto più niente. Quel maladroit. Plus de repas, plus de place, plus de jeune fille. Riascoltiamo il dialogo. Garçon. Il n'y a personne pour servir. Au libre service, on se sert tout seul. On se sert tout seul? Et pour payer? Il faut aller à la caisse. Alors, il vaut mieux aller à la caisse tout de suite. Non! Il faut se servir avant. Ah oui? Je vais perdre ma place à cette table. Vous en trouverez une autre. J'en trouverai une autre. Mais où? Elles sont toutes prises. J'en garderai une pour vous, si vous y tenez. Ah, voici. Une assiette de crudité, avec un œuf, deux œufs, du jambon, que c'est bon. Allez chercher un plateau. Prenez les cuillères, les fourchettes, les couteaux, les verres, là. La serviette aussi. Faites la queue, s'il vous plaît. Ne passez pas devant les gens. Voici des légumes. Non, pas de légumes. Du céleri, j'en prends. Voici du pain, j'en prends. Voici du rôti, j'en prends. L'assiette est là. J'arrive à la prendre. Non, je n'y arrive pas. Ah, j'ai renversé mon plateau. Dites, monsieur, il faut quand même passer à la caisse. Quel maladroit! Plus de repas, plus de place, plus de jeune fille. Immaginiamo ora che uno spettatore racconti la scena alla quale abbiamo assistito. Autrement dit, nous sommes au libre service. Il n'y a personne pour servir parce qu'on se sert tout seul. On se sert avant et on va à la caisse après. Si le provincial perd sa place, il en trouvera une autre. Il y a des places à côté de la jeune fille. Elle en gardera une pour le provincial. Il faut prendre un plateau. Il faut faire la queue. Il faut attendre son tour. Le provincial renverse son plateau. Il faut quand même payer à la caisse. Il n'aura plus de repas. L'interlude que vi proponiamo è una canzone di Jean Ferrat, La Montagne. Ferrat è un cantante impegnato e lo dichiara. Quando canta dice sempre qualcosa. La poesia di oggi, anzi la canzone di oggi, propone un tema che abbiamo appena trattato, cioè l'esodo dalle campagne col miraggio di una città piena di segreti illusori. I vecchi in campagna conoscevano ben altri segreti. Sapevano uccidere le quaglie o le pernici e mangiare la buona caciotta di capra. Erano abituati a ritmi di vita arcaici. Le ragazze però vogliono andare a ballare, a divertirsi, a vivere la loro vita. È logico. I giovani troveranno un impiego, un posto in cui lasceranno che il tempo passi senza far niente, in attesa della pensione, tornando la sera nella casa di periferia e mangiando polli d'allevamento. S'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles,
fare insieme alcuni esercizi? Alors, travaillons ensemble. Entraînement. Exercice numéro 1. Répétez avec nous. Nous nous servons au libre service. On se sert au libre service. Nous nous levons tôt le matin. On se lève tôt le matin. Numéro 3. Répétez avec nous. Je me lève et je me sers. Tu te lèves et tu te sers. Le provincial se lève et il se sert. On se lève et on se sert. Nous nous levons et nous nous servons. Vous vous levez et vous vous servez. Les clients se lèvent et ils se servent. Numéro 5. Dites avec nous. Je sais qu'il faut aller à la caisse. Tu sais qu'il faut se servir avant. Le provincial sait qu'il va perdre sa place. On sait qu'il faut prendre les assiettes. Nous savons qu'il faut aller chercher un plateau. Vous savez qu'il faut faire la queue. Les étudiants savent qu'il faut payer à la caisse. Numéro 11. Transformer suivant le modèle. Il y a un provincial qui est maladroit. Il y a un provincial, il est maladroit. À vous. Voici une jeune fille qui est très aimable. Voici une jeune fille, elle est très aimable. Ce sont des étudiants qui se servent avec un plateau. Ce sont des étudiants, ils se servent avec un plateau. Nous connaissons les clients qui viennent tous les jours. Nous connaissons les clients, ils viennent tous les jours. Numéro 12. Transformer suivant le modèle. Voici un jeune étudiant que je connais. Voici un jeune étudiant. Je le connais. À vous. C'est une jeune étudiante que j'accompagne chez elle. C'est une jeune étudiante. Je l'accompagne chez elle. C'est le disque que je vous offre. C'est un disque. Je vous l'offre. J'aménage la ferme que j'ai à la campagne. J'aménage une ferme, je l'ai à la campagne. Numéro 13, imitez le modèle. Voulez-vous des crudités? Oui, j'en veux. À vous. Avez-vous du pain? Oui, j'en ai. Prenez-vous du jambon? Oui, j'en prends. Voulez-vous des œufs? Oui, j'en veux. Oggi Marisa ha preparato un monologo sul libre service. Ascoltate. Construisons un nouveau texte. J'ai faim. Où est-ce que je peux trouver quelque chose à manger? Peut-être dans ce restaurant, de l'autre côté de la rue. Non. Pas celui-là, il est trop cher. Dans celui-ci, il y a des réductions pour les étudiants. Tant mieux. C'est un libre service. On se sert tout seul. Je vais prendre mon plateau et je vais faire la queue. Des œufs, du jambon? Non, ni œufs ni jambon. Je vais prendre une assiette de crudité, du rôti et du fromage. Oh, j'ai renversé mon plateau. Monsieur, j'aime mieux vous prévenir. Il faut quand même passer à la caisse. Et, chers auditeurs, au revoir et bon travail. Au revoir, à la prochaine fois.
Aujourd'hui, nous en sommes à la page 142. À pagina 142. C'est la 30e émission, émission 30. Et la 30e trasmissione. Ho l'impressione che anche oggi parleremo di ristoranti. Sì, ma questa volta è un vero ristorante. On ne se sert pas tout seul. Eh no, c'è un cameriere. Tu vois le garçon? Dai disegni sembra che si mangi veramente bene. Affettato, salmone. Soglio la trota. Forse però il cliente preferirebbe qualcosa di più semplice. Magari una scatola di sardine. Ma la moglie lo zittisce. Ha paura di fare brutta figura con il cameriere. Non vuole essere presa per una provinciale. Ascoltiamo. Ça doit être bon. Ça doit être cher. Un restaurant comme il faut. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis toujours comme ça. Mais aujourd'hui, c'est spécial. J'ai touché ma paye et puis j'ai été augmenté. Entrons ici. Oh, que c'est beau! On mange à la carte. La voici. Regardons ensemble. Commençons par les hors-d'œuvre. De la charcuterie, du saumon, que c'est cher. Garçon, avez-vous du saucisson ou des sardines, du pâté? Tais-toi, il nous prendra pour des provinciaux. Je lui demande un bon beefsteak saignant aux pommes. C'est ça, comme à la cantine. Regarde la carte. Saule meunière. Truite aux amandes. Ça doit être bon. Ça doit être cher aussi. C'est jour de fête aujourd'hui. Nous mangerons les spécialités de la maison. Et au dessert, des fruits et des pêches melba. Tant pis pour le prix. Une autre fois, on reste à la maison. On y mange mieux. Ou on va au petit restaurant du coin. Le garçon est plus sympathique. Era proprio un ristorante coi fiocchi. Un restaurant comme il faut. Del resto era un'occasione speciale. Lui aveva preso lo stipendio e con l'aumento. J'ai touché ma paye. Et puis, j'ai été augmenté. Già dagli antipasti si vede l'aria che tira. Commençons par les hors-d'œuvre. De la charcuterie. Saumon, que c'est cher. Lui tenta di cavarsela. Je lui demande un bon bifteck saignant aux pommes. Già, la bistecca con patate. Così va sul sicuro. Sì, ma lei non va di mangiare come alla mensa aziendale. C'est ça, comme à la cantine. La lista è molto più invitante. Ci sono tutte le specialità della casa. Pazienza per il prezzo. Regarde la carte. Nous mangerons les spécialités de la maison. Tant pis pour le prix. Quali sono queste specialità? Dunque, sogliola alla mugnaia. C'è la farina nella ricetta. Saule meunière. E poi trota alle mandorle. È un accostamento gustoso. Truite aux amandes. E poi, per finire, frutta e pêche melba. Cioè pesche col gelato. E au dessert, des fruits e des pêches melba. Ça doit être bon. Ça doit être cher aussi. Infatti, il conto deve essere stato assalato, dato che lei dice: une autre fois, on reste à la maison. On y mange mieux. Eh già, si mangia meglio a casa. Oppure al ristorante dell'angolo. Se non altro il cameriere è un pochettino più simpatico. Où on va? Au petit restaurant du coin. Le garçon est plus sympathique. Proviamo ora a riascoltare insieme tutto il dialogo. Non dovrebbero esserci problemi. Un restaurant comme il faut. Qu'est-ce que tu en penses? Tu dis toujours comme ça. Mais aujourd'hui c'est spécial. J'ai touché ma paye et puis j'ai été augmenté. Entrons ici.
que c'est beau. On mange à la carte. La voici. Regardons ensemble. Commençons par les hors-d'œuvre. De la charcuterie, du saumon, que c'est cher. Garçon, avez-vous du saucisson ou des sardines, du pâté? Tais-toi, il nous prendra pour des provinciaux. Je lui demande un bon beefsteak saignant aux pommes. C'est ça, comme à la cantine. Regarde la carte. Saule meunière, truite aux amandes. Ça doit être bon. Ça doit être cher aussi. C'est jour de fête aujourd'hui. Nous mangerons les spécialités de la maison. Et au dessert, des fruits et des pêches melba. Tant pis pour le prix. Une autre fois, on reste à la maison. On y mange mieux. Ou on va au petit restaurant du coin. Le garçon est plus sympathique. Un aumento di paga, un ristorante costoso, la paura di farsi prendere per dei provinciali... Autrement dit, le mari a été augmenté. Il a touché sa paye. Il sort avec sa femme. Il entre dans un beau restaurant très cher. On y mange à la carte. Il y a des hors-d'œuvre et des entrées, mais il veut du saucisson. Il veut un beefsteak. Mais il y a une saule meunière et une truite aux amandes. Ce sont les spécialités de la maison. Mais le mari et la femme aiment mieux rester chez eux ou aller au restaurant du coin. Oggi abbiamo scelto per voi un altro cantante poeta, Jacques Brel. È nato a Bruxelles. Nella canzone che abbiamo scelto per voi ci parla appunto delle piatte terre del nord, spazzate dal vento, minacciate dal mare. Le cattedrali sono le uniche montagne e il ripetersi monotono dei giorni è l'unica prospettiva. Avec la mer du nord pour dernier terrain vague et des vagues de dunes pour arrêter les vagues et de vagues rochers que les marées dépassent et qui ont à jamais le cœur à marée basse avec infiniment de brumes à venir avec le vent de l'est écoutez le tenir. Le plat pays qui est le mien, avec des cathédrales pour unique montagne et de noirs clochers comme mâts de cocagne, où des diables en pierre décrochent les nuages avec le fil des jours pour unique voyage et des chemins de pluie. Pour unique bonsoir, avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir, le plat pays qui est le mien. Passiamo ora agli esercizi. Ne vogliamo fare qualcuno insieme? Coraggio, lavoriamo insieme. Travaillons ensemble. Entraînement. Exercice numéro 1. Répétez. Tais-toi. Tais-toi. Taisons-nous. Taisons-nous. Taisez-vous. Taisez-vous. Numéro 2. Répétez. Lève-toi. Lève-toi. Levons-nous. Levons-nous. Levez-vous. Levez-vous. Serre-toi. Serre-toi. Servons-nous. Servons-nous. Servez-vous. Servez-vous. Assieds-toi. Assieds-toi.
Asseyons-nous. Asseyons-nous. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Lave-toi. Lave-toi. Lavons-nous. Lavons-nous. Lavez-vous. Lavez-vous. Numéro 3. Observez. Je mange à la carte. Tu manges au restaurant. Jean mange au libre service. On mange à la cantine. Nous mangeons de la charcuterie. Vous mangez un bon beefsteak saignant. Il mange un bon rôti. Numéro 4. Observez. Il commence à avoir faim. Tu commences à avoir soif. Le mari commence à lire la carte. On commence par les hors-d'œuvre. Nous commençons par les spécialités. Vous commencez par les crudités. Les clients commencent par consulter la carte. Numéro 7. Dites avec nous. Tu dis toujours comme ça. On dit toujours comme ça. Je dis toujours comme ça. Les maris disent toujours comme ça. Elle dit toujours comme ça. Vous dites toujours comme ça. Nous disons toujours comme ça. Numéro 9. Transformer suivant le modèle. Je demande des pommes. J'en demande. Je n'en demande pas. À vous. Je veux des sardines. J'en veux. Je n'en veux pas. Il prend du pâté. Il en prend. Il n'en prend pas. Nous voulons du saumon. Nous en voulons. Nous n'en voulons pas. Vous prenez du saucisson. Vous en prenez. Vous n'en prenez pas. Numéro 10. Imitez le modèle. On mange mieux à la maison. On y mange mieux. À vous. On mange mal au restaurant. On y mange mal. On boit mieux au café. On y boit mieux. On mange à la carte dans ce restaurant. On y mange à la carte. Numéro 11. Transformer en mettant lui. Je demande un dessert au garçon. Je lui demande un dessert. On demande une truite à la patronne. On lui demande une truite. Vous demandez du saumon au patron. Vous lui demandez du saumon. Oggi Marisa ha composto un dialogo sulla nostalgia del paese natale. Un paesino è l'ideale per trascorrervi una tranquilla vecchiaia. E l'unico modo per sottrarsi ai poulets aux hormones. Allora, construisons notre dialogue. Construisons un nouveau texte. Tu vois ce petit village? C'est le village où je suis né. Il est ravissant. C'est l'idéal pour y habiter. Exactement. J'ai décidé d'y passer mes dernières années. Et ta femme? Est-ce qu'elle est d'accord? Oh non. Elle est trop citadine pour quitter la ville. Quand je lui parle de la campagne, elle n'y voit que les inconvénients. Alors que moi, je vois seulement les avantages. Plus de circulation, plus de transistors. Moi, j'aime la nature. Je te comprends, mais comment vas-tu faire avec ta femme? Elle viendra, quand je lui parlerai de poulets aux hormones. Oui, mais ne lui dis pas qu'au village, il n'y a pas d'eau courante. Concludiamo qui la nostra lezione. Scriveteci se avete dei problemi o delle difficoltà. Nous vous disons au revoir, à la prochaine fois. À bientôt. Au revoir.